Salut à tous. Alors, je suis sorti de ma tour. Je suis en train d'explorer un petit camp. Donc, tiens, au fait, un bateau. Ça, j'ai pas encore vu. Voilà, j'étais par là-bas, vers la tour. J'ai suivi le chemin. Je suis arrivé ici. Je me suis mis direct pour passer la nuit. Voilà, dans les campements. Par contre, j'ai pas encore exploré. Alors, je vais déjà explorer ici, je verrai mon bateau après. Ah, carcasse de baleine, ça. Ah ouais. Je fais attention aussi parce que j'ai plus de flair. Si je croise un loup, ça va être un peu le caca. Ouh, on voit pas grand-chose là-dedans. Ouais, je me trouve un endroit correct aussi pour passer la nuit qui viendra. J'ai pas envie de retourner jusqu'à la tour. Beaucoup de bordel, mais pas grand chose d'utile. Ouais, je suis en train de cramer un peu mon essence pour rien. On peut monter? Je sais même pas. Non, j'ai pas l'impression que j'arrive à monter. Ouais, non, bah, je pensais qu'il y aurait plein de trucs là-dedans, moi. Voir, je suis passé à côté. Actuellement par là. Ouais, livre. C'est de la lecture, mais bon. Bref. Non, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est surtout un plumard avec un poil à côté. On va éteindre. Ça va me bouffer mon carburant pour rien. Sauf que je trouve pas la porte, évidemment. Hop là, c'était là. Bon. Je vais avoir encore un peu de temps devant moi pour explorer le coin. Putain, il est grand cet entrepôt pourtant. J'ai pas dû faire le tour, c'est pas possible. Tiens, des petits cabanons. Abonné, super. Ah, j'ai le bon pour allumer. Rien dans la caisse. Toujours du papier, que du papier, encore du papier. Bon bah. J'avais de grands espoirs là, quand j'ai vu la zone. That'll come in handy. Ah, chouette, allez voir flair. Ça peut toujours servir. Ok. Y a pas d'autre entrée là-dedans? Petit escalier, hop là. Des bureaux peut-être. Ok, je vois toujours rien. Ça c'est le flair, voilà. Alors. Miette. Un jour l'eau, j'avais à faire des grands lecteurs, dis donc. Oh,
Hope nobody needs this anymore. Je fasse gaffe, je commence à être lourd. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Bon, il y a de quoi dormir, ça c'est déjà ça. J'espère que je peux pas tomber dans le trou. Un petit peu chier. Tiens, on peut descendre par là. Ah, un établi. En fait, il manque qu'un poil et ça serait parfait. Attends, mais merde, c'est de là que je venais. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une ouverture. Pff, faire. Bon, c'est bien gentil, mais je bouge vraiment un marteau. Tiens, jamais vu un marteau encore. Ça sert peut-être pour forger. Non, il n'y a pas un petit poil là, ça serait sympa. C'est tout ce qui me manque ici, un poil. Oui, je pourrais utiliser, oui, si je trouve un endroit pour faire du feu. Mince alors. Peut-être cette pièce-là. Non, non, encore un lit, mais que dalle. Ah, ben voilà, je me demandais comment je pouvais monter. Ouais, mais bon. Ça change pas grand chose. Bon, bah je ressors, j'ai pas vu grand chose. Je m'attendais un petit peu à mieux. Faudrait que j'aille voir le bateau. Mais avant, j'aimerais beaucoup trouver un endroit où je peux me sentir en sécurité. Pour avoir un poêle quoi pour refaire de l'eau, tout ça. Merde, un loup là-bas. Attention parce que j'avais dû fuir un loup pour partir d'ici. Ou est-ce que je vais directement voir dans le bateau? Il y a peut-être quoi se chauffer là-bas. Très bien. Il n'y a plus qu'à trouver l'endroit où on peut monter là-dedans. Il a été éventré. Ou rien. Ah bon, d'accord, c'est une zone en fait. Ça rentre automatique. Non. Bah. Comme d'hab quoi, on va ressortir à nouveau. La lanterne. Ok, des filets de pêche. Logique. La ferraille, tiens. Au moins si j'ai plus de carburant pour la lumière, j'ai une lampe ici, c'est toujours ça de prix. Une sixième métaux pour démonter, ouais, mais je vais pas le démonter, je voulais regarder s'il y a quelque chose dedans. Moi. Accélérons. Bon, je prends plus rien parce que là je suis super lourd quoi. Bon, faut il vous laisse le où il est, je sais qu'il y en a, c'est très bien. Ça pèse rien. Ça non plus. Pièce par là. Ah, la forge. Donc c'est là-dedans que je vais pouvoir... Oh mais merde, il y a du charbon. Que je vais pouvoir forger mes outils et mes têtes de flèches notamment. Alors, je crois que j'avais déjà du charbon sur moi. Je vais tout virer là. Je vais faire un stock. Et je viendrai forger plus tard. Bon, je me sens un petit peu plus léger.
J'ai toujours pas l'endroit pour aller passer la nuit. Enfin, un petit peu plus léger, mais je pèse encore mon poids. Du gibier là-bas. Ouais, c'est de là que je venais. Je vais aller voir un peu plus loin, encore plus loin. J'aimerais bien trouver une maison avec une belle cheminée. Je vais peut-être passer d'ailleurs par la glace, ça me permet de voir au loin s'il y a des loups. Tiens, bah d'ailleurs il y en a un là-bas, on va pas du chemin justement. Puis au pire, si ça merde, bah, j'irai passer la nuit dans mes bungalows à côté du chantier. Hein. Je suis passé de l'autre côté, j'ai un pont qui a l'air effondré. Je pense pas que je puisse aller là-bas, je sens la fin de zone avec de la glace qui doit craquer, ça va pas me plaire. Est-ce que je peux remonter là? Et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pas vu grand chose à faire, hein, à part l'attrait de la forge. Il n'y a rien pour pêcher. Oh, vu beaucoup de gibier, ils sont peut-être plus loin dans la forêt. Mais bon, du coup, les prédateurs, je vais les voir au dernier moment, c'est quand même dangereux. Ça, ça sent le bout de la zone, mais on ne peut pas aller plus loin. Une belle cascade. Ah, un macabé. Ouais, toujours utile. Une flèche cassée. Ah, je peux récupérer la pointe. C'est bien ça. Enfin, j'ai toujours pas trouvé le bois pour faire l'arc. Je veux dire. Rien à faire ici. Une caverne. Oui, une grotte. Lieu découvert, ouais. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de trop de danger là-dedans. Minutes, 42 calories, ça fait juste des petits morceaux de bois classiques. L'avantage, c'est qu'au moins je peux voir sans utiliser la torche. Merde, ça donne pas envie, ça. Il y a des os. Les os par terre, doit y avoir une bestiole là-dedans. Putain, merde, big top de merde, il m'a fait peur! Salopard! Ah la vache, il m'a fait flipper ce con! Je m'y attendais pas, mais alors pas du tout là, j'ai juste eu la tête au coin du truc. Bah oui, je suis esquinté évidemment, premier secours. Attends, tu vas pas me dire qu'il revient non plus! Attends. On va aller voir un peu plus loin si j'y suis. Ça pue ce coin là. Alors, statue, oui, premier secours, donc on disait. Ouh, soigner les plaies, je crois que ça fait tout en même temps. Entorse au poignet. Bah, ça va mieux. Sauf que je suis plus qu'à 63%, donc c'est dangereux. J'espère ne pas faire de conneries, mais maintenant que je suis là, ça me fait un peu chier de reboucher. Chemin, putain, il est encore là. Bon bah, si je m'en sors ce coup-ci, je me casse, mais direct, quoi. Ah bah, je l'ai tué. Ok, super.
Merde. Oui, oui, il soigne les plaies, oui. Bon, il va falloir que je me refasse un petit kit de premiers soins, parce que... j'ai bien morflé. Alors... puis là, il était tellement proche, le bestiau, que jamais j'ai pu utiliser les flares. Attends. Je crois qu'il était mort. Il s'est juste barré? Ah non, non, il est là. Je psychote, moi. Foutu les jetons. Il n'y a pas d'autre, hein, pas de blague. Ok. 1 kg de viande. Ouais, mais alors faut que j'éteigne. Voilà. Achète, ça va durer 15 minutes, 8 minutes. Ouais, bah, on prend 8 minutes. Hein. C'est un cœur de jour restant. S'il n'y a pas du blizzard dehors quand je vais ressortir. Je laisse tomber les poux et tout, j'ai vraiment pas le temps de m'amuser avec ça. Je prends la bouffe parce que je vais bien être content de la faire cuire pour avoir quelque chose. Enfin, si je trouve enfin un feu. Si la peau de loup, ça serait bien de la prendre. C'est toujours un peu chiant à récupérer, puis j'en aurais besoin de toute façon. Alors, une fourrure, combien de temps? 30 minutes, aïe. 45, oui. 40, d'accord, je vais plus vite à la main qu'avec l'achète. 30 minutes. Minutes. J'espère que je fais pas une grosse connerie. Ok. Tant pis, hein, je gâche, je laisse le reste, mais là. Là, franchement. À un moment donné, faut y aller. Ah, je commence à fatiguer. Allez, on sort. Puis ben, j'irai explorer gentiment la carte à la recherche d'un abri. Allez, salut tout le monde, à plus.